Oui, voilà la plaque qui est Oui, sur le col maintenant. c'est ça. La plaque représente, si vous voulez, explique ce qui s'est passé le 3 juin 1944. La Gestapo s'est présentée vers 5 heures du matin, a défoncé la porte d'entrée principale de la maison, a arrêté mon père. Mon père, par la suite, a été enfermé à Brest, puis à Rennes. Et de Rennes, le 3 août 1944, un train l'a amené avec de très nombreux patriotes comme lui jusqu'en Allemagne, où dans un premier temps il était au camp de Neuengamme, puis finalement au camp de Bergen-Belsen, où il est mort le 13 février 1945, d'après les documents officiels que nous avons reçus. C'est ici que le 3 juin au soir, avec mes amis de la résistance, dont l'adjoint de mon père qui s'appelait Augustin Salou, sont venus nous cacher après l'arrestation de mon père. Eh bien, nous nous trouvons ici à Pompol, à un endroit où s'est trouvé, on a pensé installer une stèle il y a en 1990 ou 91. En mémoire de l'époque où s'est tenu, si vous voulez, où a eu lieu le parachutage d'armes au-dessus de cette zone-ci, dans les champs voisins. Et les parachutages d'armes, importants, puisqu'il a permis d'armer 300 volontaires de la résistance. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Vous avez là, sous les yeux, la coupure de journaux, d'un journal qui relate le décès de l'auteur du chant des partisans. C'est la personne qui a pensé écrire tous ces mots qui frappent, que nous avons entendus tout à l'heure. Et je crois qu'on peut lui rendre hommage. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève.